Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße alle ganz herzlich in den kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus und heiße alle ganz herzlich willkommen zu dieser Andacht. Ebenso alle, die mit angeschlossen sind an den Übertragungen und mit uns die Versammlung erleben dürfen. Wir sind Gott dankbar für noch eine Gelegenheit, die er uns schenkt, so zusammenzukommen vor sein heiliges Wort. Nous vous saluons tous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir encore nous réunir. Et nous sommes sûrement tous venus avec une grande attente et une faim pour de nouveau nous nourrir à la table du Seigneur. Car le Seigneur a préparé des choses précieuses pour nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les cantiques de Sion qui ont été chantés aussi, pour les cantiques instrumentales. C'est vraiment un son céleste qui réjouit notre âme. Au moins les choses vont pour moi. Ainsi, je me sens béni intérieurement et fortifié et bien. Je ne sais pas si cela est aussi pour vous. Mais nous remercions notre bien-aimé frère Eric pour les efforts et pour tout ce qui se fait. Ça sera quelque chose, ça sera quelque chose. Oui, encore aujourd'hui, nous sommes reconnaissants au Seigneur, nous sommes rassemblés devant lui et nous voulons chanter quelques cantiques, quelques chœurs. Avant de le faire, je voudrais aujourd'hui un peu de notre frère Franck prendre quelques mails de sa part et lire les salutations que nous avons reçues du monde entier. Et je commence avec les salutations de la Serbie, de Monténégro, salutations de la Croatie, de Vodina, des salutations du Brésil, des salutations de la Mozambique, du Mozambique, de l'ex-Union soviétique, des salutations du frère Trapani, des salutations du frère Berry de l'Hongrois, de l'Inde, du frère Delo, du frère Wanik, du frère Kalongi, des salutations du frère Chauffeur, des salutations du frère Okello, des salutations de Denver, Colorado, de Ottawa, Canada, des salutations du frère Jonathan, des salutations du frère Ludwig de l'Hongrie, des salutations du Pérou, des salutations d'Abidjan, des salutations du frère John, des salutations de la Zambie, des salutations de Malawi, du Bénin, du Niger. Et il nous souhaite une bonne réussite ce week-end de la transmission en ligne. Aussi des salutations de Lyon, des salutations de Kazongo, des salutations du frère Adrian, des salutations du frère Ratchidi, des salutations du frère Kratian, du frère Motika, du frère Tabo, des salutations du frère Etienne, des salutations de Irivan et des salutations de l'Arménie. Et il y en a encore qui ont appelé le frère Mbik, le frère Ngonga, le frère Mbie, le frère Mboussi, le frère Inodi, le frère Kupfer, le frère Jacques de la Côte d'Ivoire. Des salutations du Mozambique, encore une fois, du frère Udo, du frère Didier, du frère Graf, du frère Wendel, du frère Cécile et du frère Joseph. Voilà, nous avons rapidement nous remis les salutations. Aussi, nous saluons tous nos frères d'ici. Je pense que la plupart sont en ligne. Et nous nous réjouissons de ce que tous sont liés avec nous dans le Seigneur et qu'ensemble, nous pouvons vraiment nous laisser préparer encore ce soir. Nous voulons maintenant chanter quelques cantiques de louange. Commençons avec le numéro 10 des petits livrets de chant. Le numéro 10.
Gloire à Dieu. Nous chantons encore le numéro 15. Aux merveilleuses délivrances. Merci. Oui, frères et sœurs, je crois que nous ne pouvons pas encore entièrement saisir ce que c'est que la rédemption. Délivré de la malédiction, de la mort. Frères et sœurs, c'est quelque chose de grand, la rédemption. Comment est-ce que ça devrait inonder notre cœur de reconnaissance? Comme c'est bien d'être à Jésus. Mes bien, frères, c'est depuis le jour où ma vie appartient au Seigneur, le Seigneur a pris soin de moi. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu, qui d'une manière merveilleuse conduit tout. Comme nous avons chanté ici, il a pris sur lui mais fardeau, c'est vrai que nous passons par des difficultés, mais il est avec nous, il nous accorde sa présence et il nous conduit même par les épreuves. Je ne sais pas si vous avez constaté, il me fortifie et me rend la victoire. Nous sommes ici dans une bataille sur terre avec les principautés des ténèbres, avec les mauvais esprits. Oui, parfois,
nous passons par des difficultés, mais la victoire nous appartient. Car le victorieux de Golgotha a vaincu la mort. L'adversaire, il a dépouillé, il a désarmé. Mais nous devons malgré tout passer par des difficultés. Mais ici, dans le premier cantique, nous avons chanté, nous voulons aller au nom du Seigneur. Il est pour nous une armure solide et nous vaincrons l'adversaire avec lui. Nous n'avons pas besoin de combattre nous-mêmes. Le Seigneur a combattu pour nous et a déjà vaincu pour nous. Nous devons seulement lui faire confiance et nous serons portés par lui, par les épreuves. À lui soit la louange et l'adoration. Je lis une parole pour l'introduction et ensuite après le frère Alfred Borg va prier encore. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 44, Ésaïe 44, à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré pour vous êtes mes témoins? Pour que vous soyez mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons nous lever et ensemble prier. Père céleste bien-aimé, nous te remercions pour la victoire de Golgotha, pour le vainqueur de Golgotha, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre rocher. Nous aussi, nous connaissons aucun autre rocher en dehors de toi. Nous te remercions pour ta parole que nous venons d'avoir entendu. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour la bénédiction que nous avons reçue déjà par les cantiques. Nous te louons, louons ton merveilleux nom. Ensemble, nous voulons ce soir t'expérimenter personnellement, chacun. Tous, nous avons besoin d'une nouvelle rencontre avec toi, d'une nouvelle expérience avec toi, surnaturelle. Seigneur, accorde-le à chacun ce soir. Envoie ta parole et accorde à notre force la force nécessaire pour prêcher ta parole et manifeste-toi, confirme ta parole parmi nous. Nous te remercions et louons ton saint nom. Nous ressentons l'action de ton esprit. Tu es présent. Nous te remercions dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Viens du haut des cieux, viens, Esprit du Seigneur. Thank you.
Oui, je l'aime, oui, je l'aime. Encore tu es dit. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur, notre Dieu, qui nous bénisse ensemble et qu'il bénisse du lever du soleil jusqu'à son coucher. Qu'il bénisse dans toute l'Europe, l'Asie, fin fond de l'Est, le Sud et le Nord de l'Amérique, qu'il bénisse toute l'Afrique, qu'il bénisse son peuple dans toutes les langues et dans tous les peuples. Nous avons reçu un compte-rendu merveilleux du dernier voyage missionnaire et nous voulons tous remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans leurs prières. Et nous avons eu 11 réunions en tout. Et nous avons prêché tous les jours. Et nous étions en avion tous les jours en vol. Et à Pretoria, il y avait eu 600 personnes à Blantyre, à Milongwe 450, à Lusaka 800, à Solvesi plus de 2000 personnes, à Dola plus de 2500 personnes, à Johannesburg plus de 1000 personnes, 1200, à Kapstadt, plus de 1000 personnes, à la Porte Elisabeth, à peu près 300 personnes, à Turban, plus de 600 personnes, et en tout, à peu près 9000 personnes qui, dans ces réunions, étaient présentes et ont écouté la parole de Dieu pendant ces jours. Nous sommes reconnaissants au frère Cécile, particulièrement, qui a vraiment parfaitement organisé et planifié tout. Et nous n'allons pas entrer dans les détails, mais c'est toujours un triomphe pour la vérité, un triomphe dans le royaume de Dieu. Et concernant les choses extérieures, nous ne voulons pas venir en parler. Des questions, bien sûr, ont été posées pour que je puisse parler sur certains sujets et dire certaines choses.
Mais ce n'est pas facile pour moi de prendre le temps pour des choses secondaires, par exemple, que la voiture qui roule automatiquement, les frères voulaient que je dise quelque chose. J'ai apporté avec moi tout l'exposé. C'est vraiment ainsi qu'aux États-Unis, à Nevada, ce que frère Branham en 1933 a vu, une voiture qui roule automatiquement. Elle roule, elle rentre dans une maison, dans un parking, elle se gare sans qu'il y ait un chauffeur. Et comme le frère Branham disait, tout ce qui lui a été montré en 1933 s'accomplira avant le retour du Seigneur. Mais notre attention n'est pas dirigée vers ces choses, mais vers l'appel à sortir, vers le retour à la parole de Dieu de l'Église épouse. Nous sommes reconnaissants pour le ministère prophétique, reconnaissants de ce que Dieu a conservé sa parole et a envoyé un prophète, car sans l'envoi divin, nous n'aurons même pas eu de message aujourd'hui. Nous n'aurions même pas eu d'orientation biblique. Nous n'aurions rien su. Nous n'aurions pas su en quel temps nous vivons. Il était nécessaire que Dieu envoie un prophète pour placer la parole prophétique sur le chandelier et pour ainsi nous donner l'introduction dans tout le conseil du salut de notre Dieu par la grâce de Dieu. Notre attention, bien sûr, est dirigée principalement vers Israël et vers ce qui se passe aux alentours. Notre attention aussi se dirige vers ce qui se passe avec le Vatican et avec Jérusalem et aussi avec Poutine et comment est-ce que tout est en train de se passer. Et nous observons toutes ces choses. Ce qui m'occupe le plus, c'est que la différence entre la vraie foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, la vraie foi est élevée, vous savez ce que je veux dire, 1 Jean 4. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair est l'Antichrist. Qu'est-ce que nous faisons avec toute l'histoire de l'Église, avec tous ces contrats prétendant que le Père a déjà dans l'éternité engendré le Fils et fait naître le Fils, complètement Antichrist, de A à Z. Et dans tout l'Ancien Testament, dans les 3600 années, personne n'a parlé d'un Père au ciel. Personne s'est adressé à un Fils. Il n'y avait pas d'entretien dans les 3600 années, dans tout l'Ancien Testament. Plus de 6000 fois, c'est toujours dit Dieu le Seigneur et Elohim Yahvé. Mais tout a été changé, transformé. Et on ne peut pas penser à tout ce qui a été fait. Aussi les dernières nouvelles du Vatican, que le reste des soi-disant ossements de Pierre sont exposés et en direct 60 000 personnes donc
ont voulu regarder ça. Mon Dieu au ciel. Qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Hein? Et le monde entier loue et regarde, et tous, oui, sont trompés, sont donc mentis et conduits dans l'erreur, dans la tromperie. Et cela, en se mentionnant, en se référant à, une, à un seul verset biblique, il est écrit dans Pierre, l'épître de Pierre, dans 1 Pierre, et ici, au chapitre 5, dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 13, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue. Ainsi que Marc, mon fils. Et de ce verset biblique, tous les traducteurs de la Bible, ou bien interpréteurs de la Bible, sans exception, ont inventé cette expression que Babylone est à Rome, alors Pierre a été une fois à Rome. Babylone est en Irak, pas à Rome. La Babylone, là, se situe à l'Irak, à peu près à 90 km de Bagdad. Et celui qui va dans Daniel, chapitre 1, verset 1, il saura ce que veut dire ici Babylone, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, le chef à Babylone, et le premier empire était l'empire babylonien, le deuxième était des Médos et Perses, et le troisième était l'empire grec, et ensuite le quatrième a commencé l'empire romain. Mais pour qu'il puisse fonder cela et se cacher derrière un verset biblique, ils prennent un verset où Pierre, justement, mentionne cela, l'Église des élus qui est à Babylone. Et tous encore, vous connaissez le frère Ménette. Et à l'époque, il a pu aller avec moi. Et à l'époque, je n'ai pas pu aller avec lui, je crois. Mais il est allé à Bagdad. Il a entrepris un voyage là-bas jusqu'à Babylone. Il a vu les ruines de Babylone, le frère Ménette. Exactement, à 90 km de Bagdad. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le monde entier a été menti, trompé et égaré. Et le monde entier croit. Mais les enfants de Dieu croient seulement la vérité. La Babylone, dans Apocalypse, ça je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Ce qui est dit ici. Et ça, c'est la grande Babylone. Pas ce qui est déjà en ruine là-bas. Et cela à peu près plus de 2000 années. Non. Dans Apocalypse chapitre 4, au verset 8, il est écrit, Apocalypse 18, verset 4. Oui, qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cela ici? Il se réfère de cela. Il se réfère de cela. N'est-ce pas? Ça aurait été bien de ne. Il ne se réfère pas de ce verset. Ça aurait été bien s'il se référait des versets qui concernent vraiment le sujet. Et au chapitre 16, dans Apocalypse, le chapitre 16, encore une fois, au verset 19, chapitre 16, verset 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
de son ardente colère. Et ensuite, le prochain verset, dans le chapitre 17, Apocalypse 17, verset 5, ici il est écrit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et ensuite, le message qui est adressé à nous est dans le chapitre 18, Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 2. Babylone est décrit ici, et au verset 4, le dernier appel retentit. Au verset 2, Apocalypse 18, le verset 2, et il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Aussi Poutine et tous les autres, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et maintenant, la parole prophétique, l'avertissement est fait ici, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Tout à l'heure, nous avons lu dans Apocalypse 14, verset 8. Et bien, mes frères et sœurs, Apocalypse 14, verset 8, comment nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu, par le ministère prophétique de notre temps, nous a ouvert les yeux, nous a ouvert les cœurs, les yeux, pour que nous puissions entendre et voir et comprendre. Et par la grâce de Dieu, ordonner toutes choses à sa place. Donc le dernier appel, vous mon peuple, sortez du milieu d'elle. Et dans Corinthiens, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Pourquoi est-ce que nous répétons toutes ces choses? Qu'il faut sortir de toutes les dominations, de tout, car tous sont liés au Vatican, à Rome, dans le Conseil mondial des Églises. Il y a une chose qui est importante, c'est d'écouter ce que l'Esprit maintenant dit vraiment à l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, avons-nous compris l'importance du dernier message? Est-ce que nous avons compris de quoi il s'agit pour Dieu dans ce temps vraiment? Nous ne pouvons pas faire de compromis. Tant que c'est possible, la parole précieuse, éternellement valable, nous devons la prêcher sans faire de compromis. Et comme frère Branham l'a dit en répétant, l'incrédulité est le péché original. Parce que justement, Ève était tombée sous l'influence de l'adversaire. Elle n'a plus cru ce que Dieu avait dit, mais plutôt l'interprétation de l'adversaire. Et bien, mes frères et sœurs, ça, c'est encore aujourd'hui
La même chose. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit, mais permet que l'adversaire lui donne sa version, alors c'est presque trop tard. Nous devons seulement accepter ce que Dieu a dit et le recevoir. Et encore une, et encore pour mentionner cela, la falsification a commencé avec le premier verset de la Bible. Là, il est écrit en hébreu le mot Elohim, et dans notre Bible, c'est écrit Dieu. Elohim. Elohim, ce mot hébreu est au pluriel, c'est comme ça que les docteurs le disent. Et de ce premier verset de la Bible, Elohim, ils ont dévié cela, ils ont tordu cela pour dire que Dieu est constitué de trois personnes d'éternité en éternité. Mais la pluralité de ce nom, Elohim, ne se réfère pas à la personne, mais à des attributs. Dieu est plusieurs choses. Il est sauveur, il est celui qui guérit, il est roi, il est conservateur, il est créateur, il est père, il est tout en tout. Elohim, parce que c'est au pluriel, mais ça ne se réfère pas au nom, pardon, pas à la personne, mais à ses attributs. Et ainsi il est dit, laissons-nous faire l'homme à notre image. Au lieu de continuer et d'aller à Genèse 11, verset 7, où le Seigneur lui-même dit, descendons au pluriel, ou bien alors à Ésaïe 6, qui veut être notre messager, et qui ira, ou bien dans Hiob 38, où est-ce que tu étais alors que j'ai fondé la terre et que les fils de Dieu louaient. Dans 2 Chroniques 18, verset 18, on doit passer par toute la Bible pour savoir pourquoi est-ce que Dieu a parlé au pluriel, à qui est-ce qu'il s'adressait, pour respecter la parole du Seigneur, pour comprendre à qui est-ce qu'il s'adressait et ne pas interpréter une seule fois et laisser une interprétation. Nous devons revenir à l'original. Et l'original, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence originale. Et tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on interprète, doit de tout notre cœur être rejeté. Ce n'est pas possible autrement. Aussi, dans Matthieu 13, le Seigneur a semé la bonne semence. Et ensuite, après lui, vint l'adversaire. De cette bonne semence, la bonne semence ne peut jamais devenir une mauvaise semence. Et la mauvaise semence ne peut jamais devenir une bonne semence. Chaque semence produit selon son espèce. C'est ainsi que c'est écrit dans Genèse, le premier chapitre. Et dans Ésaïe, le chapitre 53, verset 10, il est écrit, « Et sa semence le servira. » Et quand tu rentres dans Psaume 22, verset 21-22, et ensuite dans Ésaïe 53, verset 10, « Il donnera sa vie et il verra une semence et il prolongera ses jours. » Psaume 22, 20-21 et Ésaïe 53, verset 10. Bien, frères et sœurs, nous sommes la semence de Dieu. Et la semence au singulier, et nous la semence au pluriel, les semences au pluriel, et lui la semence au singulier. C'est ainsi que le Seigneur a dit à Abraham dans la première semence, dans la première promesse. Il lui a dit, en toi sera béni toutes les nations de la terre. Et Paul conduit, expose cela et montre que Dieu, d'abord pour son nom, de tous les peuples et les langues, appelle un peuple pour porter son nom. Et ensuite, il rétablira la tente déchue de David. La tente de David. Tout cela a eu lieu. Et nous sommes reconnaissants de ce que tout cela a lieu. Et nous sommes arrivés au dernier abste de la fin des temps. Et nous savons, en raison des prophéties bibliques, que nous sommes très proches de la fin. Et que maintenant, la séparation a lieu. Et que le message qui a été confié à Frère Branham, qui vient de la Bible, qui vient de la parole,
que ce message doit être apporté à tous les peuples, les langues et les nations, comme un témoignage pour les uns et pour les autres, comme un appel à sortir et une séparation, une préparation. Mais c'est Dieu qui veille sur tout et sur tous. Et bien, mes frères et sœurs, nous devons prendre ce message-là très au sérieux. Et bien, mes frères et sœurs, si nous disons aujourd'hui que notre responsabilité devant Dieu est la plus grande de tous les âges, sera la plus grande de tous les âges. Les décisions que nous prenons maintenant, elles vont nous suivre dans l'éternité. Elles pourront plus être changées. C'est pour cette raison que nous devons revenir à la parole en toutes choses, revenir aux Saintes Écritures en toutes choses. Et dans l'Ancien Testament, comme il est écrit, dans Josué, le chapitre 21, Josué, chapitre 21, verset 45, de toutes les promesses bénies, en allemand, que l'Éternel avait adressées à la maison d'Israël. Aucune n'est restée sans s'accomplir. Toutes s'accomplissent. Tous se sont accomplis. Et ça, de tout notre cœur, nous pouvons le dire. Toutes les promesses bénies que l'Éternel nous a adressées vont s'accomplir. Aucune va rester sans effet. Le Seigneur est responsable de ce qu'il a dit, de ce qu'il a prononcé, de ce qu'il a promis. Et ça, nous l'avons lu il n'y a pas longtemps dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 6. Ici, cela nous a été montré de quelle manière Dieu le Seigneur lui-même s'est porté garant pour ses promesses, pour sa parole. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Nous avons besoin de patience. Et cette patience est liée à la foi, jusqu'à ce que nous expérimentons et que la dernière promesse devienne une réalité pour nous. Ensuite, au verset 17, d'Hébreux 6, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est au-dessus de toute mesure puissant. De ce que Dieu lui-même s'est porté garant, pour que nous puissions savoir que ce n'est pas des promesses seulement qui ont été prononcées. Elles sont 100% sûres. Il s'est porté garant et notre foi est ancrée en elle. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la responsabilité que nous portons maintenant est la plus grande. Et je le dis aujourd'hui librement et ouvertement, alors que la semaine dernière,
j'avais parcouru plusieurs brochures, lettres circulaires. J'ai souligné combien de fois le Seigneur m'a désigné de mon serviteur. Oui. Oui. Je ne l'ai jamais compté. Mais la semaine dernière, j'ai souligné et je l'ai compté. 16 fois. Avec cette oreille naturelle, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et au commencement, le Seigneur a dit à chaque fois, en commençant de parler d'abord, mon serviteur. Pas seulement le 2 avril 62, pas seulement à Marseille, pas seulement à Edmonton, pas seulement ici, pour consacrer le terrain voisin. À chaque fois, il commençait en disant « mon serviteur ». Et j'ai commencé à pleurer et j'ai pensé à moi-même, j'ai dit « mais bien-aimé Seigneur, quelle responsabilité tu m'as donné relié à cela ? » Est-ce que vous comprenez cela, ce que ça signifie maintenant d'écouter la parole de Dieu, de prêter l'oreille au dernier message, est-ce que vous savez ce que ça veut dire de prêcher maintenant la parole, de prêcher le dernier message? Vous savez ce que ça veut dire avec toute la véracité, prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu? Et en cela, nous reconnaissons ce que cela a voulu dire alors qu'il avait été dit à Frère Branham que ce message ira dans le monde entier, donc sera précurseur du retour du Christ. Pas des fantaisies, pas des doctrines, mais des interprétations. Mais le message nous dit de revenir à la parole de Dieu, revenir à la Bible, revenir au commencement, revenir au fondement sur lequel on peut bâtir, et il fut bâti. Donc, le message de l'heure, c'est de sortir de toute la confusion, de toutes les interprétations, de toute l'incrédulité, de revenir à Dieu et à la parole de Dieu, de revenir sous le sang de l'agneau, de revenir sous la parole de Dieu qui est éternellement valable, de revenir sous la conduite du Saint-Esprit pour que, en tant qu'un peuple de Dieu mis à part, séparé, nous puissions atteindre le but. Ce que j'ai constaté dans Matthieu 13, c'est que le Seigneur a dit: je vais exprimer ce qui a été caché depuis la fondation du monde. Alors que je lisais cela, cette pensée m'est venue dans Matthieu 13. Comme le Seigneur notre Dieu est fidèle, manifester les choses qui étaient cachées et ensuite il a ouvert notre intelligence, notre compréhension pour ces choses, pour les Écritures. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et ensuite, dans les 7 paraboles qui suivent la chose principale concernant la semence que le bon semeur sème, le fils de l'homme, et l'adversaire sème sa semence. Bien-aimés frères et sœurs, la prédestination de Dieu, en raison de sa préscience, est merveilleuse. Dieu n'a pas dit: bon, toi, je te prends avec moi au ciel, et toi, non, je t'envoie en enfer. Non, non, non. Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés et que tous viennent à la connaissance de la vérité. Mais de la même manière, Dieu a su
que ce ne sont pas tous qui croiront, qui viendront. Ce ne sont pas tous qui accepteront. Et ici est le mystère. Tel que notre Seigneur, autrefois, a ouvert la bouche et a parlé en parabole et a ainsi manifesté les choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde, mais révélées à ceux qui avaient été prédestinés à comprendre. Quel est notre devoir aujourd'hui? Nous aussi, nous avons été, avant la fondation du monde, élus. L'agneau de Dieu était prédestiné avant même la fondation du monde, déterminé, prédestiné à mourir pour nous. Ensuite, nous avons seulement besoin d'accepter et de tout notre cœur croire. Et la pensée principale qui m'occupe est c'est que partout, je ne parle pas de moi, je le dis simplement en général. Après Frère Branham, la vraie parole dans le monde entier a été portée. Et qu'est-ce qui a suivi? Quelle semence a suivi? Avec toutes les interprétations, avec tout, etc. Et c'est peut-être raison, bien de mes frères et sœurs, nous devons revenir à la parole de Dieu originale. Et personne peut s'attribuer quelque chose si ce n'est que cela lui a été accordé par Dieu. Et si vous avez été appelé, c'est ainsi que nous l'avons lu. Celui qui est appelé, il prêche la parole. Il ne raconte pas des histoires. Il prêche la parole. Et encore hier, j'ai lu dans le premier sceau comment est-ce que Frère Branham, dans toute la clarté, parle en disant que le message de l'heure, c'est de revenir à la parole de Dieu. Et tous savons que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Et si la parole est en nous, alors nous demeurons aussi avec la parole qui demeure éternellement. Nous demeurons avec elle parce que nous sommes en elle. Bien, mes frères et sœurs, au moment où de tout notre cœur nous croyons la parole, c'est à ce moment-là qu'elle nous sera révélée par le Saint-Esprit. Elle nous sera révélée au moment où nous écoutons la parole et que dans la foi nous la recevons dans tout notre cœur. C'est à ce moment-là qu'elle nous sera révélée par le Saint-Esprit. Car c'est seulement le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Ceux qui croient. Ensuite, il a été demandé à Frère Branham, qu'est-ce que c'est que le signe final, le signe à 100% que nous avons reçu le Saint-Esprit? Et jusqu'alors, sa conviction était que c'était l'amour. L'amour ne cessera jamais. Ce sera le signe. Et tous nous savons que la foi, l'espérance et l'amour triomphe de tout. Dieu est amour et l'amour demeure. Ça, nous le savons. Et voilà que l'ange de l'Éternel vint dans la pièce, dans la chambre et a enseigné Frère Branham et lui a dit le signe initial que c'est que chaque parole de Dieu est crue telle qu'elle est écrite. Oui, parce que l'amour, on peut être hypocrite, on peut dire oui je t'aime, et puis celui qui va dans 1 Jean chapitre 3, il est écrit de ne pas aimer comme Caïn a aimé. Donc Caïn a aimé, hein, mais comment est-ce qu'il a aimé? Qui a tué son frère, hein? L'amour, on peut peut-être comme ça présenter un certain amour, non. Mais la parole de la vérité, de la recevoir révélée par le Saint-Esprit. Que Dieu nous accorde tout. Que Dieu nous accorde ce qui est écrit sur le serment de la montagne. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
que Dieu te l'accorde, que Dieu me l'accorde. De la même manière que tout passera, même si nous connaissions tous les mystères, mais que nous n'avions pas l'amour de Dieu, alors nous ne sommes rien du tout. Encore, comme troisième chose, et pour finir, la parole, la croire de tout notre cœur, pas seulement les paroles que nous choisissons qui nous plaisent, non, mais croire chaque parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Qui est sorti de la bouche de Dieu, de chaque promesse, de chaque parole que Dieu a donnée. Cela m'a touché le cœur. Et c'est vraiment ainsi. Ensuite, nous venons à ce point. Celui qui prétend croire à la parole. Et en qui est-ce que cela est vraiment vrai, qu'il croit? C'est celui-là qui n'ajoute rien et qui ne retranche rien, qui n'interprète rien. Et ça même, les frères tonneristes qui maintenant en Afrique du Sud étaient là dans la réunion, ils ont confirmé cela à nos frères et ils ont dit, nous sommes convaincus, nous avons été convaincus que frère Frank corrige le prophète, etc. Mais par les prédications que nous avons entendues, nous avons été enseignés et il a fait que nous prêchions la parole de Dieu. Nous sommes vraiment agréablement surpris. Et seulement la parole, bien mes frères, ce n'est pas la discussion, la parole, elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous devons la prêcher, ce n'est pas le messager, c'est le message qui produit ce que Dieu veut. Et ça, nous devons une fois pour toutes l'accepter. Il n'est pas écrit celui qui croit notre messager. Non, celui qui croit notre message, notre prédication. Qui a cru notre prédication? D'un autre côté, il ne peut pas avoir de message sans messager. Dieu envoie ses messagers pour qu'il puisse apporter son message parmi le peuple, par son messager envoyé de lui. Mais quand vous lisez les épîtres de Paul, de Pierre, comme il est écrit, par exemple, que par son ministère, tout viendrait à la fin, comme Paul l'écrit. Ça, c'était pour son absolument merveilleux. Dieu l'a béni d'une manière merveilleuse. Il l'a utilisé et l'introduction dans tout le conseil du salut de notre Dieu était merveilleux, tel qu'il l'a accordé à Paul. Mais maintenant, je demande d'être attentif. Pas seulement avec nos paroles, mais dans notre conduite, dans nos actions. Dieu nous a conduits dans la foi transmise une fois pour toutes au sein pour laquelle nous combattons. Jude, verset 3. Il est écrit « Combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. » Pas aux incrédules, pas aux incroyants. Transmise une fois pour toutes à qui? Au sein. À ceux qui sont mis à part, qui croient la parole de l'heure. Sans fanatisme, nous nous mettons du côté de la parole de Dieu et nous prenons position pour elle. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre l'a dit, n'est-ce pas? Ça, c'est la parole que nous vous prêchons, que nous vous avons prêchée. 1 Pierre 1, verset 21. Le même Pierre dit que beaucoup de prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ensuite, il continue et il dit, ils ne se sont pas prêcher eux-mêmes, mais ils ont annoncé ces choses à l'avance à cause de vous. Et ça, c'est 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Et c'est les mêmes choses que nous avons prêchées par le Saint-Esprit envoyé du haut des cieux. Donc, il s'agit de revenir à ce que Dieu nous a accordé par Pierre, par Jacques,
par Jean, par Paul. Ce que Dieu nous a donné, nous a transmis par l'enseignement des apôtres. Ce qu'il nous a dit, nous ne pouvons pas choisir, bon ça nous le croyons et ça nous le croyons pas, non. Nous devons croire comme le dit les Écritures. Nous devons l'accepter et le recevoir révélé. Dans le résumé, bien mes frères et sœurs, les choses me deviennent toujours plus grandes. Est plus importante quand je vois la responsabilité que nous portons. La responsabilité de prêcher tout le conseil du salut de notre Dieu et de faire retentir le dernier appel à l'humanité. Vous, mon peuple, sortez. Celui qui veut transmettre cet appel, il doit lui-même être d'abord sorti de tout. Personne ne peut pas apporter cet appel en étant lui-même dans une dénomination. D'abord, Dieu a fait sortir Frère Branham de l'église baptiste. Plusieurs fois, il a dit, « Dr. Hall Davy m'a ordonné et m'a établi prédicateur, etc. » Mais ensuite, c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est Dieu qui l'a ordonné. Et c'est Dieu qui l'a établi. Pas un homme. Et ça, j'ai donné ça une fois ici en tant que témoignage, alors que c'était au sud de l'Amérique. Celui qui conduisait l'interview avait terminé donc sa prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans cette formule. Je vous dis que les choses, je me suis senti directement mal. Je n'avais pas le choix. Je devais, à la télévision, en 1948, vous savez que j'étais dans l'église baptiste, dans les tentes, par le prédicateur Richard Church, j'avais été baptisé dans les titres. Mais au moment où j'avais entendu quelle est la vérité sur le baptême d'eau, je vous l'ai dit ici. Tout de suite, j'avais, alors que Frère Branham était en train de parler du baptême, j'ai éteint l'appareil. J'ai dit, mais quoi? Tu es baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est une confirmation, etc. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai encore écouté la prédication. Et pour la troisième fois, alors que Frère Branham apportait la correction sur le baptême d'eau, alors j'ai su, j'étais convaincu que je dois me laisser baptiser bibliquement. Et le frère Alfred Borg, Helmut Frank et plusieurs, et frère Schmidt, nous sommes allés au fleuve, le Rhin, et nous sommes baptisés l'un l'autre. Donc, pas seulement prêcher la parole, mais nous-mêmes, nous avons exécuté l'ordre du Seigneur. Nous sommes laissés baptiser bibliquement. Nous avons reçu le baptême de cet esprit. Tout devait être ordonné bibliquement et tout doit être ordonné bibliquement encore aujourd'hui. Et comme dans Joël, nous l'avons lu, dans Josué, pas une seule promesse que Dieu a donnée est restée sans s'accomplir. Et qu'est-ce qui s'est passé après que Moïse ait exécuté son ministère? Il est allé jusqu'à sur la montagne de Nebo. Il a pu regarder dans le pays de la promesse, mais il n'avait pas le droit d'y entrer. Et ici est le grand mystère, bien-aimés frères et sœurs. Alors que Dieu avait repris Frère Branham, tout ce que Dieu avait à nous dire, l'a dit. Et tout ce que Dieu voulait révéler, il l'avait révélé. Nous n'avions pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Seulement de retrouver ces choses dans la Bible et de nous laisser ordonner nous-mêmes dans la Bible par Dieu lui-même et ensuite prêcher la Bible pour que nous puissions trouver dans le royaume de Dieu notre place dans l'Église. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Moïse? Il s'agissait d'entrer dans le pays de la promesse. Il s'agissait maintenant d'entrer. Et c'est ensuite
C'est ainsi seulement que la promesse que Dieu avait donnée et qu'avait juré déjà à Abraham, « Je te donnerai un pays qui, il a été dit dans le Moïse, qui déborde de miel et de lait, la couronne de la création, la couronne de la création. Je vous accorderai ce pays, je vous donnerai ce pays. » Ensuite, cela a eu lieu que Moïse a achevé son ministère et ensuite l'arche de l'Alliance a été placée sur l'épaule des Lévites, des sacrificateurs Lévites. Et ensuite, le Jourdain s'est divisé exactement comme auparavant la mer Rouge se divisait. C'était divisé. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu était dans l'arche. Mais pas seulement l'arche de l'Alliance et la parole. Mais quand je verrai le sang, alors je passerai en vous épargnant. Bien-aimés frères et sœurs, disons les choses dans toute la clarté. La rédemption commence avec le salut de l'âme. La rédemption commence en ce que nous nous reconnaissons perdus. Notre état de perdu, notre état de sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Et que ensuite, nous invoquons le nom du Seigneur et ensuite s'accomplit. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui ne l'invoque pas ne sera pas sauvé. Ce n'est pas possible sans l'invoquer. Joël l'a dit, Pierre l'a dit, Paul l'a dit, Pierre dans la première prédication et Paul dans Romains, le chapitre 10, donc adressé à tous ceux. Et ça, nous le disons vraiment dans l'amour. Tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu, qui n'ont pas encore la certitude de la foi, le pardon, d'avoir reçu le pardon, d'avoir expérimenté personnellement le pardon de leurs péchés, d'avoir expérimenté la grâce de Dieu, le salut de Dieu, et de savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui porta le péché du monde. Tu ôtas le péché du monde, porta. Et il a versé son sang, le sang de l'Alliance, pour nous racheter, pour nous pardonner et pour nous accorder la grâce et le salut. Mais nous devons, dans la foi, l'accepter et ainsi remercier le Seigneur pour cette œuvre accomplie. Et la prochaine chose, c'est de recevoir dans notre cœur la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne sur nous et pour vivifier cette parole, pour qu'en nous, la parole devient esprit et vie. Comme la dernière fois, nous l'avons considéré. Dieu peut seulement sceller ce qui vient de lui. Il ne peut pas sceller une tromperie, une interprétation, un mensonge, des choses qui n'ont pas leur origine dans la parole de Dieu. Il ne peut que semer le contenu pur qui vient de lui. Et c'est pour cette raison qu'aucun mélange n'est à tolérer parmi le peuple de Dieu. Et tel que nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, Dieu lui-même s'est porté garant en faisant des promesses d'accomplir tout. Il a pris sa porte garant. Et cela en face de ses héritiers, des héritiers. Et nous sommes co-héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et notre Seigneur est le premier-né entre plusieurs frères. Dans sa divinité, il demeure le seul Dieu qui existait, qui existe et qui existera dans toute éternité, le seul et unique Dieu. Dans son humanité, et ça nous le reconnaissons tous de manière merveilleuse, dans son humanité manifestée en tant qu'homme, il devait être tout, il devait devenir tout. Tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Il devait être l'agneau de Dieu. Il devait être médiateur de la nouvelle alliance, avocat. Il devait être souverain sacrificateur. Il devait remplir tous ses domaines de devoirs.
mais pas en tant que deuxième personne de la divinité. Non, dans sa manifestation, dans sa révélation, pour notre salut, dans la chair, en relation avec le salut qui nous a été accordé par Dieu. Et quand l'achèvement viendra, la perfection viendra, c'est ainsi que c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 28, quand chapitre 15, verset 28, alors quand l'achèvement, la perfection viendra, le Fils aura rempli son devoir et ce sera alors Dieu en tous. Il ne sera plus parlé de médiateur, d'avocat, de sacrificateur, mais ce sera comme c'était au commencement, dans l'éternité. Comme c'était dans l'éternité avant le commencement. Et c'est ainsi que dans l'achèvement, nous serons devant notre Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Nous apparaîtrons devant lui et nous vivrons éternellement avec lui de ce qu'il a fait de nous par sa grâce. Le plan de la rédemption est merveilleux. Et comme je le disais, il est Dieu le Seigneur, il est resté Dieu le Seigneur. Et dans son humanité, il est devenu tout ce qui était nécessaire, tout ce qui avait été symbolisé en image dans l'Ancien Testament. Il a dû le devenir à cause de nous pour que nous puissions trouver grâce devant lui et pour que nous ayons part à sa vie divine, à sa nature divine par la grâce de Dieu. Mais nous répétons encore cela. Pour nous, en tant que rachetés, en tant que des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, il s'agit maintenant de vraiment croire ce que Dieu nous a promis. Et nous le disons en insistant, aucune promesse restera sans effet, sans s'accomplir, jusqu'à cette promesse du retour de notre Seigneur. Dieu voulant, nous allons, dans la prochaine réunion, parler de ça. Comme précieuses, nous sommes devenus les promesses que Dieu, pour cette époque, nous a faites. Vraiment, nous a faites. Et ça, ça nous fait comprendre que nous avons la grâce d'avoir part à l'accomplissement de ces promesses-là. Parce que nous les croyons. Ça, c'est le mandat que nous exécutons. C'est peut-être la raison que nous allons dans le monde entier pour justement apporter le dernier message. Nous allons à l'est, à l'ouest, au sud et au nord pour que les derniers soient appelés à sortir et que la totalité des nations entre et que les trompettes retentissent, puissent retentir et que le Seigneur revienne pour prendre les siens auprès de lui. Et Dieu voulant, dans chaque prédication, dans chaque réunion, nous allons mentionner cela, devoir le faire. Seulement ceux qui seront prêts entrera au festin de noces de l'agneau. Et nous allons aussi insister là-dessus que la foi est liée à l'obéissance et que nous devons avec un cœur sincère dire plus de propre chemin, plus de propre volonté, détermine toi-même, contrôle toute ma vie. Et que nous puissions mettre toute notre volonté dans la volonté de Dieu. Et que le Dieu Tout-Puissant puisse produire tout en nous et faire en nous ce qui s'est proposé de faire jusqu'à l'achèvement. Disons encore une fois cela, pas seulement moi, mes frères dans tous les pays ont une grande responsabilité. Tous ceux qui prêchent la parole, c'est une grande responsabilité de prêcher la parole avec toutes les promesses de l'heure, faire retentir le dernier appel, sortez de Babylone et ne touchez à rien d'impur. Alors vous serez mes fils et vous serez mes filles
et je serai votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas un message qui nous afflige. C'est un message qui nous rend joyeux. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui aurait pu nous arriver de mieux que ça, que de prêter l'oreille au dernier appel, de croire et de voir ce que Dieu fait dans le présent, de prendre part à ça. À lui, notre Seigneur, notre Rédempteur, soit la louange. Que tous puissent faire ce qu'ils veulent. Dieu dit, Dieu parle à son peuple et il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne prêteront pas l'oreille à un étranger. Elles ne prêteront pas l'oreille à un étranger. Non, nous suivons seulement le Seigneur, nous croyons sa parole et nous louons la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de voir cet laps de temps, de la fin des temps, avant l'enlèvement, et de prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Vous pouvez tous croire. Amen. Alors nous voulons nous lever et remercier le Seigneur. Avant que nous le fassions, je voudrais demander, est-ce qu'il y a, des requêtes particulières parmi nous? Et que tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi devant Dieu apporter vos requêtes. Dans chaque réunion que notre Seigneur avait, tous ceux qui vinrent à lui, il les a secourus. Il n'y a aucun cas qui a été rejeté. Il a délivré ceux qui étaient liés. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a accordé à ceux qui étaient lépreux la guérison. Il a fait du bien à tous, comme c'est écrit dans Ésaïe 35. Quand le Seigneur viendra, notre Dieu, les aveugles verront et les paralytiques marcheront. Bien-aimés frères et sœurs, si le Seigneur ressuscité vient parmi nous, comme il l'a promis, alors la même chose aura lieu. Cela va se répéter. Nous voulons seulement être d'un commun accord dans la foi. Faire confiance que le Seigneur accomplit chaque promesse. Là où deux ou trois à mon nom sont rassemblés à mon nom, là je suis parmi eux. Et la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la promesse, tous ceux qui croient, ces miracles les accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Oh, les promesses merveilleuses, et tous sont vrais, et tous s'accomplissent dans notre temps. Avant que nous prions, je voudrais demander que celui qui a une requête particulière qui puisse lever les mains. Alléluia. Oui, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Chantons tel que je suis, sans rien. Levons les mains et chantons encore ce cœur.
Et aussi certain que le Seigneur a ordonné qu'en son nom, le pardon des péchés sera prêché à tous les peuples. C'est ainsi que aussi ce pardon du péché est accordé à tous ceux qui croient de tout leur cœur. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, la prédication du pardon des péchés au nom du Seigneur par le sacrifice, par le sang du sacrifice versé à Golgotha est prêché. Acceptez. Acceptez cette œuvre de tout votre cœur. La prédication est valable pour vous. Est valable pour vous. Acceptez et remerciez Dieu pour cela, de tout votre cœur. Prions. Grand Dieu, ensemble nous venons devant le trône de ta grâce. Avec ton propre sang, comme grand sacrificateur, tu es entré dans le sanctuaire céleste et tu l'as placé sur le trône de la grâce. Nous te remercions pour le pardon, pour la réconciliation. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de ce que ton esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, jeunes et adultes, acceptez cette œuvre dans la foi et remerciez Dieu pour cela. Le pardon de vos péchés, Dieu, en Jésus-Christ, vous l'a accordé. Ce que nous prêchons devient une réalité divine en ceux qui croient la prédication de la parole de la croix. Et Paul a dit qu'elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié. Et la parole de la croix est une puissance de Dieu. Ce soir, parmi nous, la parole de la croix est prêchée, c'est accompli. C'est une puissance de Dieu. La parole de la croix, ce que notre Seigneur a dit sur la croix, que tout est accompli, c'est ce que nous prêchons. Lui, le victorieux de Golgotha, est présent pour confirmer sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui, le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, qui est le même. Sans lui, ou bien en dehors duquel, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est et demeure Dieu dans toute l'éternité. Avez-vous accepté cela? Dites Amen. Amen. Dites Amen. 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 Et la parole de Dieu, aujourd'hui encore, ne revient pas à lui sans effet. Sans effet. Elle produit l'effet pour lequel elle l'est envoyée. Alléluia. Alléluia. Chantons « Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. » Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire soit à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est un grand Dieu, un Dieu fidèle. Nous avons entendu sa parole. Et dans la foi, nous l'avons reçu, accepté. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait par sa grâce. Pour finir, je voudrais encore, à tous ceux qui étaient en ligne et qui ont entendu ou bien qui écoutent encore, qui voient en direct de tout mon cœur, je voudrais aussi vous souhaiter les riches bénédictions de Dieu dans tous les peuples, dans toutes les langues, et nos frères qui traduisent, que Dieu puisse les bénir et être avec eux d'une manière très particulière. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que maintenant le monde entier peut être atteint. Le monde entier peut être atteint. Et que tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle deviennent croyants. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse accepteront ce que l'époux dit à l'épouse dans ce temps. Ils accepteront le message qui est fondé dans la parole et le croiront de tout leur cœur et donneront l'honneur à Dieu le Seigneur pour cela. Seulement encore que nous puissions encore répéter cela après la réunion, de conserver le calme dans les dortoirs, que les parents fassent attention à leur veille sur leurs enfants, veiller les uns aux autres, de ne déranger personne, que l'harmonie divine qui est dans les réunions soit manifestée en ce que aussi après les réunions, nous sortons dans le calme et nous allons dans nos dortoirs dans le calme, méditant la parole de Dieu. Pensez à moi dans vos prières et je ressens la responsabilité, elle devient toujours plus dure. Mais Dieu le Seigneur, accorde sa grâce. Dieu le Seigneur accorde sa grâce. Qu'il bénisse Israël, son peuple élu, qui bénisse son Église, l'Église élue de tous les peuples, les langues et les nations. Nous réjouissons aussi de ce que tous les frères sont ici, de différents pays de l'Afrique, même un frère de la capitale de la Côte d'Ivoire, elle est difficile à prononcer. Comment ça s'appelle? Yamoussoukro. Sentez-vous à la maison, sentez-vous bien. Et comme nous l'avons dit, que tout soit béni au nom du Seigneur. Nous nous levons encore une fois et le frère Schmitt va prier avec nous. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous te remercions d'une manière particulière pour le message que dans notre temps tu nous as confié. Nous te remercions aussi pour le message que tu as envoyé. Ainsi pour tout ce que tu as déterminé à porter, à transmettre ce message. Oh Dieu, nous te demandons donc aussi, accorde ta grâce à nous tous, que nous puissions recevoir ce que nous entendons, car nous l'avons entendu. Scellée sera seulement la parole qui est venue de ta bouche. La parole est la vérité de ta parole. Ta parole pure et originale. Tout le reste restera. Aide-nous, fais-nous grâce à chacun individuellement,
Que tout soit conservé, éloigné de nous. Et conserve-nous seulement dans ta parole. Dans ta parole, dans ce que tu as dit. Et accorde ta grâce pour que ton esprit puisse la confirmer en nous, que nous la croyons. Pour l'honneur de ton nom, nous te remercions de ce que tu nous fais grâce pour croire et pour obéir, pour savoir que c'est toi qui scelles ta parole. Encore aujourd'hui, nous te disons merci. Nous te remercions, accorde ta grâce de ce que aussi ici nous puissions nous retirer dans le calme, parler dans le calme les uns avec les autres. Ne pas enseigner les autres, mais ce que tu nous as dit par ta parole, nous voulons le conserver dans un bon cœur, car la foi a été cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Oui, elle a été transmise une fois pour toutes au sein. Fais-nous grâce, fais particulièrement grâce à notre frère. Nous te demandons, accorde. Donne des ordres, ce qu'il doit dire et comment est-ce qu'il doit le dire, et nous voulons l'accepter et te louer pour cela. Le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous demandons à notre frère de la Côte d'Ivoire, qui demain doit repartir, qu'il puisse venir et prier demain. Le frère est là de la Côte d'Ivoire, est-il là? De la capitale de la Côte d'Ivoire, est-il là, de Yamoussoukro? Est-ce qu'il est dans la salle, le frère? Où est-il? Oui, mais qu'il vienne, s'il te plaît. Oui, qu'il vienne. Venez. Le frère Arben vient et traduit notre frère. Oui. Juste une prière. Oui. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit béni. Der Name unseres Herrn sei gesegnet. Je suis le frère Jean-Stéphane Kofi de Yamoussoukro. J'ai fait 2 ans à Yamoussoukro et je suis maintenant depuis 3 ans à Abidjan. Ich bin der Bruder, ton nom. Kofi. Jean-Stéphane. Jean-Stéphane Kofi aus der Hauptstadt der Elfenbeinküste und momentan lebe ich in Abidjan. Dieu vous bénisse, vous avez la salutation de vos frères d'Abidjan. Ja, der Herr segne euch alle. Ich überbringe euch die Grüße aus Abidjan von euren Geschwistern. Amen. Une prière. Oui. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir. Herr, unser Vater, wir wollen dich loben. Nous sommes pleinement heureux parce que tu nous as rassemblés ici présents. Wir sind dir so dankbar, wir sind froh, dass wir hier heute versammelt sein dürfen. De tous les confins de la terre, Seigneur, pour entendre ta précieuse parole. Wir sind von allen Enden der Erde versammelt, um dein herrliches Wort, wunderbares Wort zu hören. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis de la plénitude de ton esprit. Wir danken dir, Herr, denn du hast uns aus dem Reichtum deiner Gnade gesegnet. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Wir danken dir, Herr, denn der Glaube kommt von dem, was wir hören, und das, was wir hören, kommt aus dem Worte Gottes. Merci, Seigneur, parce que c'est un grand privilège pour nous d'entendre les véritables paroles de Dieu de la bouche de ton serviteur. Wir danken dir, Herr, denn es ist ein großes Vorrecht, dass wir das geoffenbarte Wort aus dem Mund deines Knechtes hören. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les bénir dans nos cœurs. Wir bitten dich, Herr, segne dein Wort in unseren Herzen. Lass es uns bewegen. Et qu'elle puisse produire le fruit pour lequel elle a été envoyée, Seigneur. Und möge dein Wort das ausrichten und Frucht tragen, Herr. D'ici là, sois avec nous. Conduis-nous comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Sei du weiter mit uns und führe uns weiterhin, wie du bis jetzt getan hast, Herr. Par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, durch deinen Heiligen Geist, wir haben im Namen Jesu gebetet. Amen. 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 Beaucoup de salutations pour tous les frères et sœurs. Amen. Salutations de tous les... Amen.
et que tous disent Amen. Saluez-vous tous, souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu à chacun. Amen.